allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session 2 heures en cuisine pendant laquelle je vais préparer plusieurs plats pour ma famille pour la semaine, donc des plats végétaliens et bio, toujours. Pour ceux qui arriveraient ou qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Je vais préparer aujourd'hui donc un dal, un riz cantonais, je vais faire de la sauce tomate avec le Magimix Cook Expert que je me suis offert il y a 2 jours. Et puis je vais préparer mon pain aussi. J'essaye depuis peu de me simplifier la tâche au maximum en cuisine, c'est-à-dire que je vais quasiment systématiquement doubler les plats que je prépare. Donc ça peut sembler très basique hein, pour ceux qui ont l'habitude d'emmener leur gamelle au boulot par exemple le lendemain. Voilà, c'est quelque chose que je faisais de temps en temps ou à chaque fois que j'avais des plats mijotés ou un peu longs à cuire. C'est maintenant quelque chose que je mets au menu systématiquement toutes les semaines pour gagner du temps. Ça va être donc tous les plats, donc les plats mijotés, que ce soit les ratatouilles, les bourguignons de 7 ans, les risottos, les dalles, voilà, tous ces plats-là qui mettent un petit peu de temps à cuire, systématiquement je double. Alors pas forcément pour congeler, hein, encore une fois je me sers quasiment pas de mon congélateur, vraiment pour le remanger dans la semaine. Donc ce qui fait que quand je prépare comme ça, juste 3-4 plats, ça me fait 8 repas. Dans un frigo domestique, les plats, s'ils sont bien refroidis, s'ils sont dans une boîte hermétique, peuvent se conserver 3-4 jours sans aucun problème. Hein, ça va pas tourner du tout. On y va! Je vais commencer par ce qui doit mijoter, à savoir la sauce tomate. Donc je vais la faire tout de suite avec le Magimix. Donc pour faire ma sauce tomate express, alors je dis dans le sens express où je m'embête pas à tout couper. En l'occurrence dans le robot, je vais mettre les oignons, les carottes, l'ail. Je vais tout mixer, je vais faire revenir avec de l'huile d'olive, je rajoute mes tomates et tout le basilic et ça mijote tout seul et je ne m'en occupe plus. Donc si vous n'avez pas de robot, ça fait la même chose dans un fait-tout, hein, sauf qu'il faudra mélanger de temps en temps. Alors, donc là, ça m'a tout mixé en petits morceaux. Donc je mets de l'huile d'olive. À peu près 5 centilitres. Et je lance la fonction mijotage. Donc cuisson. Ok. Mijotage. Ok. Et donc après, on choisit tout simplement les températures. degrés pour bien saisir l'ail et l'oignon et vous voyez là je parle normalement et ça c'est le bruit du robot quand il tourne, donc c'est quand même franchement très silencieux. Bon, j'ai aucun élément de comparaison, je n'en ai eu aucun autre hein. Et ce qui est super avec ce robot, c'est donc il y a la petite vitre là où on peut voir à travers le déroulement de la recette. J'ai fait revenir mes oignons 2 minutes, j'ai rajouté toutes les tomates grossièrement coupées avec le basilic que j'ai juste rincé. Je ne me suis pas embêtée à les feuiller, hein, je le mets entier puisque de toute façon ça va grogner parce qu'il y a des trucs verts dans la sauce. Donc on ne va pas s'embêter plus que ça. Je vais les relancer pour 25 minutes et ça va mijoter tout seul dans son coin en se mélangeant par intermittence. Mais là ça mélange, ça va mijoter 2 minutes, ça remélange, ça, voilà, ça retourne 2 minutes, pardon. Donc tout le contenu est cuit uniformément. Et ça c'est quand même top, il n'y a pas du tout à s'en occuper. Donc la sauce tomate est finie de cuire. Là je vais cuire les pâtes dedans directement en rallongeant avec de l'eau. Et ça va cuire encore tout doucement. Donc j'en profite, comme ça les pâtes vont vraiment s'imbiber du jus des tomates. Et ça va être vraiment très très savoureux après. Là ça vient d'être mixé et là on a vraiment une parfaite texture de sauce tomate. Je verse tout simplement mes pâtes crues dedans. Je vais rajouter de l'eau évidemment. Et donc je vais relancer la fonction mijotage pour que ça cuit tout seul. Donc pour faire le pain je vais simplement utiliser de la levure de boulanger déshydratée que j'achète en pot comme ça. Donc c'est de la levure SAF. Pour moi ça fonctionne aussi bien que la levure fraîche. Le gros avantage c'est qu'on en a tout le temps. Donc simplement délayer la levure sèche dans de l'eau, eau tiède ou froide, surtout pas chaude sinon ça tue la levure.
on mélange. Et on laisse 5 minutes, enfin même pas en fait, moi je laisse de côté le temps de peser ma farine. Donc j'ai un très gros cul de poule comme ça qui est beaucoup plus facile pour mélanger des grandes quantités. J'achète ma farine par sachet de 5 kg, voire même le plus souvent par 25 kg. Je suis en train de vous faire comme promis ma liste des basiques en cuisine. Clairement la farine c'en est un. Donc voilà, de la farine T80, donc moi j'utilise soit T80, soit T110, avec du sel, de la levure et de l'eau. Et c'est tout le pain, il n'y a rien besoin d'autre. Donc là, on va juste mélanger le sel avec la farine et verser la levure. Donc on remélange bien. Et c'est tout. Voilà, on vérifie juste qu'il ne reste pas de blocs de farine dans le fond. Que tout soit bien mélangé. Il n'y a pas à pétrir. Et là, on va la laisser reposer 1h30. Il faut qu'elle double de volume. Donc pour réaliser notre faux dalle, je vais utiliser donc un gros oignon. Il y a deux belles gousses d'ail que je vais faire revenir dans l'huile avec du gingembre en poudre. J'ai plus de gingembre, de pâte de gingembre. Du pain de chevron qui est un curry doux, donc un curry qui ne contient ni poivre ni piment, donc j'utilise beaucoup quand je fais des plats pour les enfants. Si vous avez du curry, vous utilisez du curry, hein, vous embêtez pas à acheter exprès autre chose. Une bouteille, donc 70 cl de coulis de tomate, très pratique en verre. Et donc là j'ai 500 g de lentilles corail qu'on va longuement rincer, puisque comme tous les légumes secs en vrac, c'est pourri de poussière. Donc voilà, on les lave longuement sous l'eau froide. Je vais juste faire revenir ça, je rajoute le tout avec 1 litre d'eau donc, et ça va mijoter tout seul, voilà, 30 minutes, 40 minutes, en remuant de temps en temps. Donc je mets toujours les épices en premier hein, pour qu'elles grillent, ça donne beaucoup plus de parfum à la préparation. C'est pas du tout piquant le pain de chevron, donc j'aime bien en mettre pas mal. Donc on fait bien revenir les oignons et l'ail. Enfin, je gaspille pas le fond, hein. Je remets de l'eau et hop. Comme ça, la bouteille, il n'y a plus rien dedans. Et donc, je vais remplacer le lait de coco par la crème de soja. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout le même petit goût exotique. Mais ça va quand même faire un velouté, enfin une texture veloutée assez crémeuse. Donc là, on mélange bien et on couvre. Ça, c'est un fait tout basse température. Donc l'avantage, c'est que ça va cuire à faible température et qu'à la moitié de la cuisson, j'éteins en dessous et ça continue de cuire après quand même. Ceci dit, je vous indiquerai le temps dans un faitout classique en dessous de la vidéo. Donc pour continuer notre session, là, je vais faire le riz cantonais. Donc riz cantonais très basique, hein, normalement, du riz, des petits pois, des œufs et des lardons. Donc moi j'utilise du riz, alors des petits pois là j'en ai pas, j'ai des haricots verts dans le jardin. Donc, je vais prendre des haricots verts, couper en tout petits bouts, l'omelette de pois chiches que je vais cuire en très fine couche et couper en petits morceaux. Et donc là j'ai acheté du tofu fumé pour remplacer les lardons. Mais ça m'arrive aussi, il y a une recette sur le blog, de le faire avec des champignons. C'est vraiment très très bon, les champignons cuits dans du tamari et du paprika fumé. Et on a vraiment un petit goût très très sympa grillé, et ça va très très bien avec. Donc pour l'omelette de pois chiches, on a besoin de farine de pois chiches. Donc soit je la fais avec l'OmniBlend, j'ai pas encore essayé avec le Magimix, les pois chiches. Soit je l'achète en paquet de 3 kg, en paquet papier, hein, de 2 yaourts maison ou pas. Enfin, je dis maison parce que moi je l'ai fait maison, mais ça peut être aussi ça peut être du tofu soyeux, ça peut être de la crème ou ça peut être du lait. N'hésitez pas à troquer, les textures seront un peu différentes, mais bon, ça marche à peu près avec tout support. De l'eau, du curcuma, donc ça c'est pour la couleur, ça donne un petit goût sympa aussi.
de l'ail, donc j'utilise beaucoup d'ail en poudre. Et ce que je fais, c'est que j'achète des gros paquets de 500 grammes d'ail en poudre et je remplis mon petit machin là avec les petits trous pour saupoudrer, c'est plus facile. Donc voilà, j'achète des grosses recharges et je le remets dedans. Donc on trouve les recharges en magasin bio hein, en général, pas dans tous, bon, moi je les trouve dans le mien. Et du sel, tout simplement. Donc, je vais doubler ma quantité habituelle pour pouvoir faire deux omelettes. Donc un petit peu de curcuma. Donc, je vais étaler mon omelette dans deux poêles pour qu'elle soit en couche très fine. Pendant que les omelettes cuisent, du coup je prépare le riz et mes petits bouts d'haricots verts que j'ai simplement coupés en petits dés. Et qui vont cuire 10 minutes. Petit aparté à propos du tofu. Donc on m'a demandé combien de tofu, quelle quantité de tofu il fallait prévoir par personne. Alors faut savoir que moi je ne remplace pas la quantité que je pouvais mettre il y a quelques années en viande ou en poisson par la même quantité de tofu quand nous mangeons du tofu. Encore une fois, on ne mange pas à tous les repas. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre 120 grammes de tofu par personne. Enfin ça n'arrive jamais. En général, je vais le couper en morceaux, ça va être sous forme de tofu brouillé, ou même si c'est en cube ou en brochette, on a peut-être 50, 60, bon, 70 grammes par personne, mais pas plus. Pas parce qu'il y a un risque à manger plus de tofu, c'est juste parce que les protéines ne se situent pas dans mon alimentation chez un, deux aliments, elles sont partout. C'est vraiment un faux problème, les protéines dans une cuisine végétale. Hein. Tout le monde se focalise là-dessus, des protéines, il y en a partout. Vous regardez votre basique paquet de pâtes, vous allez avoir, selon si ce sont des pâtes complètes ou blanches, entre 6 à 8 à 9 grammes de protéines dans des pâtes. Dans le riz, c'est pareil. Donc dans les légumineuses, on double. Dans le soja, on triple, voire on quadruple. Dans tout ce qui va être graines, oléagineux. Donc ne vous dites pas, il faut qu'à chaque repas, j'ai un aliment qui soit portionné de telle sorte que j'ai toutes mes protéines. On peut pas manquer de protéines, à moins de ne manger que des légumes verts, c'est pas possible. Hein, donc voilà, donc là par exemple il y a 200 g de tofu fumé que je coupe en petits bouts, ça va être séparé dans les deux repas, c'est-à-dire que là on va avoir en plus l'omelette de pois chiche qui est riche en protéines, le riz c'est du riz demi-complet qui est riche en protéines. Ça suffit quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des protéines partout tout le temps, ça suffit largement. Donc voilà, si vous achetez un bloc de tofu, enfin nous on est 5, donc nous on est 5, le bloc de tofu va nous faire pour nous 5 pour deux repas. Quand je fais des spaghettis bolognaise, ça va être 200 g de tofu fumé par exemple, pour nous 5. Quand je vais faire des brochettes, ça va être une quantité un peu plus importante, mais de manière générale, ne vous dites pas il faut qu'on ait 100 g de tofu, ou 100 g de seitan, ou 100 g, voilà, je parle d'aliments très 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 riches en protéines, hein, par personne. Ça sert à rien. Si vous êtes un gros gourmand, vous pouvez, évidemment, mais c'est pas une obligation pour avoir une alimentation équilibrée. On va donc reprendre notre riz cantonais. Donc le riz est cuit, les haricots avec aussi, les deux omelettes sont finies. Il me reste juste les petits lardons à faire poêler vite fait. Vous avez la recette sur le blog des lardons de tofu fumé. Donc on est bien d'accord, pour moi des vrais lardons, c'est pas juste du tofu fumé coupé en bâtonnets, c'est du tofu fumé qui est revenu dans de l'huile, qui est bien grillé, bien salé, et que donc je fais déglacer avec du tamari, pour avoir ce bon goût salé du lardon. Voilà, c'est pas juste des bouts de tofu coupés en morceaux. Hein. Ça c'est très bon, mais c'est pas des lardons. Une fois que mon omelette est cuite, je vais simplement la laisser refroidir un petit peu pour pouvoir la couper après un petit morceau et la mettre dans le riz cantonais. Je prends tout simplement du tofu fumé, là c'est le typhoon amande sésame, enfin n'importe quel tofu fera l'affaire. Hein. Et on va couper un petit bout, ça fasse des petits bouts bien grillés. Pour
pour mes petits lardons de tofu fumé. Je reprends ma poêle de mon omelette, hein. Je ne vais pas laver entre temps. Hein. Encore une fois, on est efficacité maximum, fatigue minimum. Donc je fais revenir tous mes petits bouts de lardons dans de l'huile bien chaude. Une fois qu'ils sont bien grillés, je rajoute un tout petit peu de sauce tamari pour les saler. Et on laisse réduire complètement. Donc là, on a des petits lardons qui sont bien grillés, bien salés. Et vraiment, c'est du bonheur pour les papilles. Cette session de 2 heures en cuisine est terminée. J'ai donc préparé une grande quantité de riz cantonais. Donc vous avez vu, c'est super facile à préparer. Hein. Ça va se réchauffer très facilement à la poêle. J'ai préparé aussi du dal. Enfin, du coup, on peut pas dire du dal. On va dire un mijoté de lentilles corail à la tomate et aux épices douces. Ça claque quand même. Pareil, qui va se réchauffer très très bien à feu doux à la poêle. Des pâtes à la tomate, donc des pâtes en réalité qui ont cuit dans le bouillon, dans la sauce tomate avec de l'eau en plus, évidemment, et qui sont donc très parfumées et très très fondantes. Donc ça c'est vraiment, ça va être délicieux. Et j'ai fait aussi donc un grand pain, en ce moment je fais mon pain dans mon grand moule à pain de mie. Ça me permet de préparer aussi des soirées croque-monsieur improvisées les soirs où vraiment j'ai pas envie, j'ai la flemme. Comme ça c'est très rapide. J'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de garder le fil un peu entre les différentes étapes. Après j'ai eu la petite qui s'est réveillée de la sieste, les gars qui ont fait tomber leur Power Ranger dans la piscine, donc il a fallu aller les rechercher. Si jamais j'avais zappé un détail, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. À très bientôt.